Donc voilà, on se retrouve 7h11. Et pour cette journée, pour cette session, ça sera la dernière journée. Oh, je vais pas crever comme une merde, ça serait plus... Bon, les zombies devraient être encore un peu excités pendant quelques minutes. Ouais. On commence à bien voir le chantier d'ici. Bon. Alors vous avez vu, je me suis un petit peu amusé avec le bug. Bon, finalement c'est barré. Tant pis. J'ai pu tester quelques crafts. Voilà. Je vais me farmer un petit peu de lingots en avance. Bon. Quelqu'un m'explique un jour, me donne la justification de pourquoi les zombies sont des espèces de tueurs psychopathes la nuit dans certains jeux. Alors que le jour, ils sont pas dangereux. Alors qu'au contraire, dans certains jeux, comme les 4 Dead, ils sont dangereux tout le temps. C'est tout le temps des psychopathes, de jour comme de nuit. Ou dans Days où ils sont pas bien fut-fut, mais dès qu'ils vous ont vu, c'est des prédateurs assoiffés de sang. Alors, faudra qu'on m'explique c'est quoi la logique. Bon, apparemment ils ont pas trop capté. Faudra qu'on explique pourquoi il y a une source de lumière ici. Ça a pas fait ce que je pense que ça fait. Ça fait comme dans Minecraft, même problème. J'espère juste qu'il n'y en a pas un seul qui va venir dans le coin pour m'emmerder, ça serait cool. Problème dans la voiture des textures. Si vous avez vu. Ah, il y a des petits soucis encore. Alors, j'ai gardé quand même un petit peu de bois au cas où. Hein. Ah oui, je crois que je l'ai dit en plus. Ah oui, il y a un pépin. Ok. Voir si l'échelle marche. Et elle a des collisions. Nickel. Encore un avantage pour ce jeu. C'est bon. Je compare bien entendu au jeu le plus proche que je connaisse, à savoir Minecraft. Bon, voilà. Mode sous-marin. Ça a l'air d'être safe. Bien, bah ça commence à ressembler à quelque chose le dessus. Ah, j'ai flippé. J'ai oublié de manger. C'est malin. Et de la nourriture pour chien. Et maintenant, de la nourriture pour chat. Je sens que ça va chier dans mon ventre. Hein, entre le chat et le chien, ça va pas le faire. Thank you.
Miam, miam, miam. Donc j'essaierai de faire des vidéos comme sur toutes les versions du jeu. Voilà. Je reprends mes cours la semaine prochaine. Donc je connais pas encore mon emploi du temps. Je sais pas à quelle fréquence je pourrais sortir une vidéo. Je pourrais toujours en sortir, ça c'est pas un problème, mais c'est la fréquence qui risque de changer. Donc vous le saurez en temps et en heure. Quand je le saurai moi-même. Bon, remarque, qui sait, je dirais peut-être, ah, l'emploi du temps est trop bien et il n'y a pas de souci, je pourrais en faire un rythme très soutenu et finalement il sera. Les cours seront ultra crevants et du coup je pourrais pas. Bon. On verra bien quoi. J'ai hâte que ce jeu arrive sur Steam. Parce que là, c'est pas la version Steam, c'est la version qu'ils nous ont fait directement, donc c'est-à-dire qu'il faut la mager soi-même, tout ça. Avec Steam, la mise à jour sera automatique. Faut savoir que ce jeu est pas très compliqué à craquer non plus, donc bon, mais franchement, le craquez pas, ça sert à rien. Quoique, vu qu'il est en alpha, vous pouvez pas l'acheter, donc bon, bah peut-être, ouais. Du coup, là, ouais, ça se justifie, mais bon. Ça peut se justifier, plutôt. Y a encore du fer. Et la torche reste dans les airs. Ouais, bon, ok, il y a encore pas mal de trucs à changer. Je sais que ça commence à ressembler à quelque chose. Même les profondeurs commencent à ressembler à quelque chose, c'est ça qui est agréable. Oh merde. Mais si, je vais te péter les dents. Tu vas même pas tu vas pas endommager mon ouvrage, je vais te tuer avant. Oh putain, ça a ramé, il y a une chute de framerate. Une cheerleader. Ah, bien sûr, ça en attire un autre. Eh bah ben, vas-y, viens. Et deux autres. Je tire un coup de feu, ces autres, ça va en attirer encore plus. Ah, il y a des problèmes à cause de l'herbe. Bien, bien, bien. Ah bah il est temps de continuer. Par où? Faut aller par là. Ce que j'aime bien, contrairement à Minecraft, c'est que là, les zombies ils vont pas pop juste parce qu'il fait nuit, quoi. Pop pas spécialement la nuit. Surtout, même si je mets pas trop de lumière ici, ils vont pas venir. Voilà. Pop pop ici. En tout cas, j'espère. Alors, je me suis mis aussi bien profondément pour éviter tout ce qui est en merde, genre du style de l'eau qui tombe, tout ça. Enfin, du souci habituel quand on construit en profondeur, quoi. Et on n'a pas que de la pierre, on peut aussi faire du béton. Bon, j'en ferai un petit peu plus tard. J'ai la cobble, ça va être chaud pour la défoncer. Mais je pense que les sections inférieures, j'en ferai progressivement avec du béton. Ça devrait aller calmer un petit peu les zombies. Maintenant, comment je remonte? C'est fort, hein, parce que ma technique c'est de creuser en montant. Bon. Et... Ah oui, je vais faire ça en escalier, puis voilà. Ça va être plus simple.
Oh merde. L'habitude de Minecraft de mettre toujours la pioche en numéro 1. Ah, c'est plutôt inverse. Enfin, et de mettre le l'arme en numéro 4. Ah, je fais plutôt l'inverse. Mon bloc alors? Ouais, des fois ça fait ça, le bloc tombe pas. Et c'est chiant. Oula. Youp, youp, youp. Même problème que sur Minecraft. Et oui, des fois sinon les blocs ils tombent carrément... dans la texture, dans un mur. Ah, ah si, il était là. Caché dans la texture, hein, espèce de petit coquin. Ok, je commence à arriver à la terre. Ah, j'ai cru voir un truc. Voilà, dirt. Non, ça serait bien qu'on ait des zombies un petit peu plus rares en jeu, c'est-à-dire qui défoncent pas les murs à coups de pied, à coups de main, quoi. Enfin, à coups de poing plutôt. C'est ridicule. Remarque. Ouais, pourquoi pas qu'il les défonce. Mais du coup, qu'il se défonce les mains, quoi. C'est après tout ce qui est. Techniquement, on peut casser un mur en béton à main nue. À force de taper dedans. Ce qui vous en empêche, je vous le rappelle, c'est le fait que vous souffriez atrocement dans le processus. Ok. Non, seulement pour le haut, je vais faire une plaque aussi grande. Là, je vais faire plus petit. Du coup, je me demande, est-ce que je ferais pas mieux de faire du béton? Voire même du béton armé. Tu vois. Si déjà, je connaissais le craft du béton. Bon, attendez. Je vais me mettre là. Je save. Ah, je quitte. Ça save du coup. Je regarde le craft et je reviens. Voilà. Donc, je vais voir la recette du béton et... Il me fout du sable. Bon, le sable, je sais où aller en chercher. J'ai juste pas envie de le faire maintenant, surtout qu'il reste plus beaucoup de temps. Super, ça remet pas un petit bout de temps. Youpi. J'espère que le jeu sera stable rapidement, parce que le pire, c'est que je suis à 60 FPS et que ça rame quand même. Je crois que c'est ça le pire. Et merde. Autant le finir quoi. Oh, violent. Donc moi j'ai de quoi me faire une pickaxe. Voilà. Hop. C'est reparti. Ah ça surprend, non, la première fois que ça explose dans les mains, ça fait un bruit de fou.
Bon, je pose les derniers blocs et je crois que je vais aller me planquer dans la baraque. Cette zone n'est pas encore safe, hein, pas du tout. Surtout que si je me suis trompé que les zombies popent effectivement en souterrain, je vais avoir l'air malin. Jusqu'à présent, j'en ai pas vu pop en souterrain, donc bon. Par contre, je me baladais dans le désert, parce que j'avais pop dans le désert. Une fois, il y en avait plein dans le désert. Qu'est-ce que ces zombies foutent dans le désert, messieurs les développeurs? Bon, bah non, en fait, il va être temps de rentrer très vite. Encore, mais j'ai toujours mes habitudes de... Parce que je choisis pas à la molette, je choisis avec le clavier. Du coup, bah, j'ai habitude de Minecraft, surtout. Ces situations-là. Ah, de l'argile encore. Ah bah, malin. Alors là, c'était génial. The King of Abruties. Le roi des idiots, c'est moi. Bon, bref. Petit peu de sérieux. Sinon, je vais finir en dîner pour zombies. Destroyed Stone. Oh merde. Oh bordel. Déglinguer de la Destroyed Stone, ça donne de la Cobblestone. Ma foi, pourquoi pas. Mais bon, c'est peut-être pas le moment de s'en occuper. 19h, faut rentrer à tout prix. Vous voyez, tout ce qu'ils ont défoncé, c'est malade. Oh, ah oui, il peut se taper entre eux, ça c'est cool par contre. Ah ouais. Ils sont vraiment dangereux. Je pensais pas à ce point en fait. Demande si le bug marche avec tout. Alors... Et non, bon tant pis. Oh yeah! Ça c'est de la puissance. Alors ça je garde. C'est-à-dire que techniquement ça marche avec tout. Il y a moyen. Il y a moyen de se faire des ressources. Oh, je continue à glitcher avec le fer. Quand je le peux, j'en profite. Ah oui, glitcher ça tue le côté survie. Ouais. C'est ce que me diraient certains. Moi je leur répondrais ouais un peu.
Mais dans la mesure où ça va être corrigé très bientôt, bon, autant en profiter un petit peu. Ah, j'en profite parce que c'est la alpha. Hein. Sinon d'habitude je suis pas du genre à glitcher. Attends, en tout cas. Mais bon, ils vont bien faire des zombies qui montent au mur. Alors bon. Là c'est plus de la survie, j'ai envie de dire. C'est. C'est de la télé-réalité japonaise. Vous savez, le genre de jeu télévisé où. Faut faire des trucs du style vous voulez gagner 10 000 dollars, très bien, vous devez manger le piment le plus fort du monde et je sais pas je viens de faire le compte tout ça. Oh là là. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme épreuve débile et faire un combat de catch. Non, ça marche à ce point-là. Pourtant, j'ai changé d'objet. Alors ça, d'habitude, je trouve jamais les glitches, les bugs et tout, hein, quand je veux faire un jeu. Jamais. Donc là, pour moi, c'est une première. Alors j'en profite. J'ai trouvé un glitch comme ça, sans avoir cherché. Alors j'en profite un peu. Beaucoup. Beaucoup trop. Je le conçois. Je concède tout à fait. Je pourrais passer. Non, mais on pourrait passer des journées comme ça. Je suis complètement abruti, c'est pas possible. Hein. Il paraît qu'il y aura un espèce de mode créatif qui sera rajouté bientôt. Enfin oui, il y a un mode créatif qui va être rajouté pour notamment pour concevoir ses propres maps. D'ailleurs, il y aura même un éditeur où on pourra concevoir sa propre apocalypse. En fait, il jouait avec ses copains. On peut vous trouviez des copains qui aient ce jeu. Déjà en alpha. Après en bêta, vous avez plus de chance. La première version finale, si vous les faites assécher vos codes, bah ils devraient pouvoir l'acheter. En tout cas, pour moi c'est un peu ce que je recherchais, hein, quelque chose entre Minecraft et DayZ. Donc si vous avez un serveur si je sais pas. Vous jouez à 7 Days to Die et vous avez un serveur où vous cherchez du monde, je veux bien venir. Voilà. En sachant que généralement quand je glitch c'est plutôt en solo, hein, seulement en solo. En multijoueur je triche pas, parce que bon ça se fait pas et puis c'est pas marrant. Sauf quand c'est des glitches marrants. Ou des bugs drôles. Genre les balançoires dans GTA, mais ça n'a pas grand chose à voir. Ah si, ça me parle de bugs, mais bon. Glitch power. Bonheur, bonheur, bonheur.
Eh ben, on va couper ce peu. Hein. Lui dire merci d'avoir regardé cette première session de 7 Days to Die. Si vous avez aimé, mettez j'aime. Si vous n'avez pas aimé, mettez je n'aime pas. Et si vous voulez rien rater, vous pouvez vous abonner. À plus les amis.